ambiance à l'américaine aujourd'hui pour l'essai de cette incroyable et énorme pick-up. Je veux bien sûr parler du tout nouveau Chevrolet Silverado, la version 2019 qui a été entièrement retravaillée. Alors l'essai de cette icône des pick-up américains, c'est parti, l'essai tout de suite dans Motors. Chevrolet Silverado, who's the boss? On aborde notre Chevrolet Silverado. Alors c'est une version Z71 en version Trail Boss. Donc pour le coup, elle est vraiment bien équipée avec un petit lift sur les suspensions d'origine. Et à conduire, franchement, c'est impressionnant. On a la chance d'avoir sous le capot le 5.3 litres, le V8. C'est pas le plus gros V8, il y en a un qui est encore plus grand. Mais ce 5.3 litres accouplé à une boîte automatique à 6 rapports. Alors il existe aussi des boîtes à 8 et même à 10 rapports sur certaines variantes de ce modèle. Il y a énormément de moteurs disponibles, on en parlera un petit peu plus tard. Donc allez, c'est parti. Ah ouais, ça monte vraiment bien. Alors on est sur un pick-up, mais malgré tout, même si la benne est forcément plutôt légère à l'arrière, ça continue de tracter. Pas de crissement de pneus désagréable. On sent que le châssis travaille bien, que l'électronique gère également bien la traction sur les quatre roues. Alors ce qui est sympa aussi, c'est que on a aujourd'hui une version Trail Boss qui est d'origine équipée de pneus franchissement, on peut le dire, hein, avec des gros crampons, donc forcément ça va aider à l'adhérence. Moi je pense que sur Saint-Martin, cette version Trail Boss est sûrement la plus adaptée parce qu'elle a des trims qui sont un peu plus luxe, etc., avec des belles grosses jantes, mais des pneus taille basse. À mon avis ici, je vous encouragerais plutôt à partir sur cette version Trail Boss. Il est l'une des icônes de la marque Chevrolet, symbole de démesure à l'américaine, impressionnant par son gabarit et ses motorisations musclées, le tout nouveau Silverado débarque sur notre île. Avec plus de 12 millions d'exemplaires vendus, ce pick-up full size est depuis 20 ans dans le top des ventes aux États-Unis, jouant le coude à coude avec ses concurrents historiques, les fameux Ford F-150 et Dodge Ram. Le trio se partage le marché le plus convoité d'Amérique du Nord, et pour se faire une place au soleil, il faut chaque année être plus grand et plus puissant. Évolution en douceur à bord de ce Chevrolet Silverado, la console est entièrement redessinée, tout est absolument nouveau, mais l'architecture reste sensiblement la même avec cette double boîte à gants qu'on avait déjà l'habitude de voir dans la précédente génération. Le volant est cette fois-ci bien centré dans l'axe du tableau bord, c'était pas le cas auparavant. On garde des compteurs analogiques, pas de tout digital comme peuvent le faire d'autres marques actuellement, c'est la mode, mais il ne faut pas oublier qu'un pick-up c'est un véhicule de travail et qu'il doit donc être pratique. On retrouve également une belle console infodivertissement ici avec un écran tactile de 8 pouces. L'assise est très confortable et tout est à portée de main, donc ça c'est vraiment pas mal. On a ici un coffre absolument immense. Il y a de quoi ranger au moins 3 ou 4 bouteilles d'eau. C'est très confortable, des portes gobelets absolument partout, une finition laquée bois graphique très sympathique. Là on est dans une configuration 5 places, mais il est également possible d'avoir 6 places à bord du Silverado avec un strapontin qui se bascule à la place de cette très grande console centrale. À l'arrière, c'est absolument immense, 3 adultes, même si chacun d'entre eux fait 2 mètres, pourront rentrer absolument sans problème. Le siège conducteur est quasiment reculé au maximum et regardez l'espace que j'ai aux jambes, c'est tout simplement immense. Vous avez des évents pour la climatisation sous le siège avant, également dans la console centrale, donc une très très bonne ventilation de tout cet espace qui est très grand. On retrouve également une prise allume-cigare, une prise USB et USB-C, très très pratique. Des grosses poignées ici pour bien se maintenir. La même finition qu'à l'avant, donc les passagers arrière profitent aussi d'un agréable design de l'habitacle, plutôt pas mal. Et puis dessous cette banquette, beaucoup d'espace. Également en option, il existe des bacs de rangement qu'il est possible d'avoir en dessous donc des jambes des passagers, donc plutôt très pratique. Assez sympa également, vous avez cette fenêtre qui se commande depuis l'avant, qui s'ouvre et qui vous permet d'avoir accès directement à la benne.
C'est pas magnifique ça, la technologie rapportée au monde de l'utilitaire et du pick-up. Une benne à ouverture automatique qui peut être commandée à partir de la poignée ou sinon si vous avez les bras un petit peu chargés à l'aide de votre télécommande. À l'intérieur de ce modèle, nous avons une benne entièrement recouverte de liner. Donc c'est vraiment bien parce que ça vient équipé comme ça d'origine. À l'intérieur, pas moins de 12 crochets pour arrimer tout ce que vous voulez. Chacun de ces crochets peut tenir jusqu'à 120 kg. Vous avez également deux lumières, une qui se trouve ici et également l'éclairage de benne au-dessus de la cabine. Une prise 110 volts. Bref, franchement, une benne avec énormément d'équipement qui vient déjà comme ça, ça fait plaisir. Sous le capot de notre Chevrolet Silverado, on retrouve bien évidemment un V8. Ici proposé à Saint-Martin et sur notre version d'essai, un 5,3 litres de 355 chevaux, évidemment accouplé à une boîte automatique. Nous sommes bien sûr sur un véritable 4x4 qui peut éventuellement être passé en deux roues motrices ou sinon en 4x4 intégral grâce à la petite molette que nous avons vue sur le tableau de bord. Ce V8 envoie énormément de couple, délivre beaucoup de puissance et vous offrira également un son très mélodieux à l'échappement, un pur régal. Cette année, Chevrolet célèbre 100 ans de savoir-faire dans l'utilitaire et ça se sent. La marque américaine a su rajeunir avec brio l'un de ses best-sellers avec un look à tomber par terre et une qualité de fabrication et de développement exemplaire. Excellent compromis entre un véhicule de travail et une belle familiale, il est adapté pour vous emmener sur vos chantiers, à la plage ou pour sortir avec élégance le soir. Et croyez-moi, avec son cabaret, vous ne passerez pas inaperçu. Proposé à partir de 45 980 euros, il se positionne dans la moyenne de ses concurrents, un budget certes, mais une valeur sûre pour celui ou celle qui aime se faire plaisir. L'essai du Chevrolet Silverado 2019 se termine. Je vous avoue qu'on a eu un très bon moment à l'intérieur de ce très gros véhicule. On aime bien entendu beaucoup sa nouvelle face avant. On se retrouve pour un prochain essai dans Motors. Ciao !